Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, c'est urgent, partagez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est urgent, très très urgent, partagez le live famille. Je vous demande pardon de partager le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le live, partagez le live, partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live, oh. Partagez le live, oh. Je suis choquée, je suis dépassée. Partagez le live, s'il vous plaît. Bonjour, Mouma Amadou, on dit quoi, Stéphane, bonjour. Bonjour, partagez le live, s'il vous plaît. Pitié. Je vous demande pardon de partager le live là. C'est urgent, très urgent. Très, très urgent. Très, très, merci, Mouna. Très, très urgent. Partagez le live, s'il vous plaît. C'est urgent, très, 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 très urgent. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous. Pardonnez, venez m'aider à aider. Venez m'aider à aider. Venez m'aider à aider. Venez m'aider à aider. L'heure est grave. Royo a été arrêté. Partagez le live, s'il vous plaît. Royo a été arrêté. La famille. S'il vous plaît. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous partage. Moi, je suis en train de partager. C'est pourquoi je n'ai pas encore commencé le live. Pardonnez, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. S'il vous plaît. Pitié, ne regardez pas que c'est moi. Regardez le message juste que je veux véhiculer. Royo a été arrêté. Pardonnez, partagez le live. Je suis dépassée. Et je ne vois aucun blogueur parler de ça. Donc, quand tu n'as pas de visibilité là, et que tu as un problème là, il n'y a pas quelqu'un pour te venir en aide. C'est comme ça le monde. C'est dedans on est. Parce que tu n'as pas de visibilité. Parce que tu n'es pas utile à quelqu'un. Quand tu es dans une situation, personne n'en parle. Partagez le live, s'il vous plaît, la famille. La famille, je vous demande de partager le live, s'il vous plaît. Je vous demande de partager le live, s'il vous plaît, pitié. Moi-même, aujourd'hui, là, je vous demande pardon. Si vous voulez, ne mettez pas les cœurs, mais partagez le message. Ça peut toucher quelqu'un qui va pouvoir aider cette fille. Oui, parce que nous tous, nous sommes des enfants de pauvres. Nous sommes sur Internet ici, nous sommes des enfants de pauvres. Voilà. Donc, ce qui arrive à Rose, là, Royo, là, ça peut m'arriver. Attends, je vais épingler. Merci. Mouima. Je vais t'épingler. Épingler le commentaire. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, je vous demande pardon. Pardonnez. Pitié. Moi, mes chants, t'es partagé. C'est pourquoi je n'ai pas encore commencé. Quand je vais finir de partager, je vais commencer le live. Je vous en supplie. Je vous demande pardon, famille. Partagez. Aidez-moi à véhiculer le message. Aidez-moi à trouver de l'aide. Coucou Tion Patricia, comment tu vas mon amour? Partagez le live, pitié, pour l'amour du ciel. Pardonnez, Yaya, c'est Yaya. Je vous demande pardon. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Pitié, moi, mais je vous demande pardon. Et je vais rentrer dans le but du sujet. Partagez le live. Les blogueurs sont en danger. Oui. Certains blogueurs, il ne faut pas y dire les blogueurs. Parce qu'elle dit les blogueurs, c'est comme s'ils mettaient tous les blogueurs. Certains blogueurs sont en danger. Certains blogueurs sont en danger. L'heure est grave. Royo vient d'être arrêtée. Abidjan. Elle vient d'être mise aux arrêts. Oui. Elle vient d'être mise aux arrêts. D'accord? Donc, famille, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Pitié. Je vous demande pardon de partager. Aujourd'hui, là, vous ne remarquez pas que moi, je ne fais pas de live comme ça. Vous comprenez? Mais quand je vous demande de partager, c'est que le problème, il est sérieux, famille. Je vous en prie, aidez-moi à partager. Aidez-moi à trouver quelqu'un qui peut l'aider dans la situation dans laquelle elle se trouve.
pitié. Je vous demande pardon. Partagez le live. Partagez le live. Famille, je vous demande de partager. Moi, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pitié, partagez. Partagez le live. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas. Ça va pas parce que j'étais tout à l'heure sur le live de Fabi. Bon, j'essaie de l'appeler aussi. Elle ne prend pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais faire comme je peux. Voilà, je vais faire comme je peux. Excusez-moi, je vais avancer un peu la prise. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux chers abonnés. Aux personnes qui nous aiment et qui nous considèrent. Excusez-moi pour ma coupe de cheveux. Voilà, prenez ça comme ça. C'est ça, c'est les risques du métier. Je viens d'apprendre ce matin que Royo a été arrêté dans le live de Fabi. Mais je dépose ma caméra pour parler parce que je suis choquée. Je suis choquée de l'attitude des soi-disant blogueurs, des soi-disant stars, des soi-disant influenceurs. Vous savez, moi, j'ai toujours dit. C'est parce que Bob Lee, c'est un maudit que je dis et je redis qu'il mérite ce qui lui arrive. Parce que Bob Lee a dépassé les frontières dans ses dits et dans ses propos. Mais je veux savoir, est-ce que Royo, là, c'est pas une personne? Est-ce que Royo, c'est pas une blogueuse? Est-ce que Royo, là, c'est pas enfant de quelqu'un? Aujourd'hui, la fille a été arrêtée. Je ne vois aucun blogueur parler de ça. Je ne vois personne parler de ça. Tout le monde s'est tué. Parce qu'elle n'a pas la visibilité comme certaines personnes. Parce qu'elle n'est pas utile à certaines personnes. Parce que certaines personnes n'ont pas besoin d'elle. Parce qu'elle ne travaille pas pour certaines personnes. Parce qu'elle n'est pas dans le clan de certaines personnes. Vous ne trouvez pas que vous êtes méchant? Pardonnez, mettez les cœurs, famille, s'il vous plaît. Mais si vous êtes deux personnes, mettez les cœurs, c'est pas grave. Si personne ne veut partager le live de Royo, là, c'est pas grave. Vous ne trouvez pas ça méchant de votre part? Vous ne trouvez pas ça cruel de votre part? Quelqu'un qui est dans une situation difficile, son papa n'a pas les moyens, c'est enfant de pauvre comme nous tous. Ce qui est arrivé à Royo, là, ça peut m'arriver demain. Parce que quand nous sommes sur la toile ici, là, nous tous, on met notre bouille dans ce qui ne nous regarde pas. Personne n'est venu à son sujet personnel sur Internet. C'est ce que nous tous, on voit sur Internet, là. On s'assoit sur le dossier et puis on parle. Maintenant, aujourd'hui, Royo est dans cette situation. Si c'était Apuchu qui était dans cette situation, on allait la voir, la toile trembler. Qu'il ait raison ou pas. On a vu des gens ici qui n'avaient pas raison. Quand on les a arrêtés, on ne pouvait pas chier sur Internet. Tout le monde a déposé les caméras. Maintenant, pourquoi pour Royo, vous restez dans le silence? Pourquoi pour Royo, vous ne sortez pas? Pourquoi pour Royo, vous ne déposez pas vos caméras? Non, mais c'est méchant. Vous êtes mauvais jusqu'en... Elle dit que la sorcellerie a pris le dessus dans votre cerveau. Parce que vous êtes en concurrence dans votre esprit. Vous êtes en concurrence dans votre tête. On te parle de prison. Son papa n'a pas de relation. C'est vous, vos parents, en relation sur Internet. Donc, vous avez la capacité d'insulter les gens. On a vu des gens qui ont enregistré des ministres ici. C'est pas aller quelque part. On a vu des gens qui ont insulté ici des stars. C'est pas aller quelque part. Maintenant, comme Royo, c'est Royo, et que vous savez qu'elle n'a pas les moyens, ses parents se cherchent. Oui, oui, c'est ça, Odette. Quand vous savez qu'elle, ses parents n'ont pas eu les moyens, ses parents se cherchent. Vous, là, c'est elle, vous avez vu pour vous accrocher sur elle, pour la prendre, pour l'emmener en prison. On peut faire ça. Il est quitte ici, mais c'est TikTok qui m'a écrit encore. On peut faire ça. Et elle réveille tout le monde. Tout le monde va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous tous là, on parle dans ce qui ne nous regarde pas. Moi-même, sur TikTok, il m'appelle Maman Béret. Ce qui n'est pas mon problème là, c'est de ça que je parle. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, là, alors arrêtez d'être des influenceuses. Arrêtez d'être des stars. Parce que quand tu es une star, on va te critiquer. On va parler de toi matin, midi et soir. C'est logique, tu es une star. Tu n'es pas couché dans ta maison, avec, tu n'es pas allé prendre ta vie pour venir. Une fois que tu deviens personnage public, là, ta vie est dehors. Oui, elle est plus star même que star même qu'on insulte. Le malouest, on l'insulte matin, midi, soir. C'est que Emmaouest allait charger la maca. Emmaouest allait remplir la maca. Et Yves Deromo, on n'en parle pas. Yves Deromo, on n'en parle pas. C'est que nous, là même, là, c'est-à-dire que la maca même, ça allait être bordé de monde. Quand à Moshik même, on n'en parle pas. À Poutou même, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Parler de quelqu'un sur Internet, vous la prenez, vous battez la déposer, vous battez l'enfermer. Parce que vous savez qu'elle, son papa n'est pas ministre, son tonton n'est pas député, son oncle n'est pas maire, son cousin n'est pas à la fonction publique. Elle se débrouille.
Donc vous allez la prendre, il y a une, il y a eu un problème. Automatiquement, vous la prenez, vous l'enfermez. Fatima Daouda, le jour de lever en prison, il est parti en prison, ma puce. T'inquiète pas. Le jour où mon sentinelle doit aller en prison, il m'en fait. Ce n'est pas les chiens qui sont là-bas. Tu comprends, ma puce? Voilà, le jour où mon temps arrive, je m'en vais. D'accord? Si c'est diffamation, hein, c'est que les... Donc, et Kadi qui a diffamé si les gens pendant 20 ans, ils allaient où? Kadi là, qu'elle a diffamé si les gens, ils allaient où? Donc, c'est une histoire de relation. C'est une histoire de connaissance. Moi, il a déposé ma caméra, puis il a dit que ils n'ont qu'à libérer la fille. Mais si c'est diffamation, on va pas s'en sortir cette année. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça. Roland, l'heure n'est pas au conseil. Ce qui est arrivé à Royou, c'est arrivé. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose, famille. Remarquez bien sur la toile. Il y a des gens à qui on porte plainte. Il y a des gens à qui on ne porte pas plainte. Il y a des gens qui font des choses pires sur Internet ici. Et puis ça ne crée rien. Et puis ça ne peut rien créer même. Vous comprenez? Et puis ça peut rien. Et puis ça va nulle part. On voit ça ici. Mais on se tait. On voit des gens qui ont fait pire que Royo. Et puis c'est pas allé quelque part. Oui. Et puis ça n'a rien créé. Vous comprenez, famille? Fofana, tu te tiens maintenant. Mon mari aime ça. Toi, ton problème, c'est lequel? Mon mari est devenu clair, sinon il me laisse. On a vu des gens qui ont fait pire. Mais c'est de l'arrestation, on parle. Roland, on parle de l'arrestation. Tu comprends? On parle de l'arrestation. Moi-même, là, je n'ai même pas vu ces postes aujourd'hui, là. Je me promenais, il y a eu Fabien live. Moi, je suis étonné. Mais moi, je ne m'exprime pas en français, c'est en déplacement. J'étais étonné. J'ai dit, aïe. Roland, il y a des gens qui font piquer Royo. C'est moi, je t'ai dit ça, ma chérie. Faut t'asseoir, faut bien regarder Facebook que tu vois là. Mais il y a des gens qu'on doit arrêter. Et il y a des gens qu'on ne doit pas arrêter. En tant que Bereman, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Quand tu crées un contenu pour parler des gens, tu comprends? Tu crées un contenu pour parler des gens. Tu vas dire certaines choses. Ou bien, il y a des gens sur Internet ici, ils ont fait pique et royaux. Ils sont arrivés à Bigan, on les accueille comme des rois et des reines. Ça n'a rien créé. Ou bien, on a vu des gens qui ont fait pique ça aujourd'hui, ce soir, ils ont mangé ensemble. Donc, ça n'a pas de sens. On peut lui envoyer un avertissement. Oui, on envoie à la police, on lui donne un avertissement pour dire, ah, il ne faut plus parler de telle personne, telle personne, telle personne. Normalement, on envoie un avertissement. Mais on ne peut pas l'arrêter parce que c'est eux qui ont bras longs. C'est parce que c'est Royou. On sait qu'elle-même, là, c'est des bruits. Il y a des gens qui sont habillés là-bas, là, ils ont fait pique et Royou. Ils sont là-bas. C'est pas, ils savent que elle a quelle relation? Qui la connaît dans le pays? Qui la connaît dans le pays? Il y a des gens qui sont partis en billon. Nous, moi, je pensais qu'ils allaient les arrêter. Mais ils n'ont rien créé. Parce qu'on sait que où elle est même là, c'est au feu. On pouvait la convoquer. On pouvait envoyer une convocation qu'elle bat à la police. Et puis on lui donnait un avertissement. Il a dit, Peggy, ce que Olokpacha a dit là, c'est moi qui ai suivi l'émission de Olokpacha. Olokpacha même a dit devant elle en pleine télé qui est ton mougou. Mais là, pourquoi c'est pour Royo ou les charges? Moi, je ne comprends pas le truc. Non, parlons vrai. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais quand il y a de l'injustice là, il faut reconnaître qu'il y a de l'injustice. J'ai dit, pourquoi ils n'ont pas arrêté Olokpacha même qui allait dire ça devant la télé? Olokpacha même qui allait dire devant la télé. Tout le monde entier a suivi. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Pourquoi ils n'ont pas arrêté Olokpacha? Moi, je comprends. C'est la partie avec sa voix. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Olokpacha? Olokpacha a dit devant tout le monde, plus de combien de personnes connectées, que ce mec là, c'est la go d'Arafat. Olokpacha a dit.
Oh, Malène Kofi, il faut rester. C'est la quelle relation? Quand on a relation, on ne fait pas, on fait pas deux minutes. Tu t'en vas passer le problème, ça ne mérite même pas d'être arrêté. Elle devait partir, ils vont signer avec la dame pour lui dire, je ne veux plus jamais qu'elle parle de moi. Et puis on la libère. Ça sert quoi d'arrêter la fille parce que du genre, vous êtes les, vous avez les relations au pays là, on ne peut plus parler dedans. Artiste devient, comment on appelle? Voilà, Daisy, Olopati a dit ça devant tout le monde, que ah, voici ma copine d'Arapat. C'est même chose la fille a dit dans son béret. Vous pouvez ne pas aimer Royo, mais quand il y a l'injustice, vous reconnaissez que c'est de l'injustice. Moi, Royo, on ne cause pas. C'est pas mon ami. Moi, Royo, c'est pas mon ami, c'est pas ma camarade. Mais je me sens touchée par son histoire, en fait. Voilà ça, c'est que Carole, ça m'a pas aller, Kamel, ça m'a pas aller porter plainte aussi. Non, mais il faut arrêter, en fait, vous abusez. Quel bon animateur vous faites, mais vous, les anciennes danseuses de 2000 maquis, tout le monde. C'est pas vous, c'est le pays là qui est désordonné. Le pays là, c'est désordonné. Donc tout le monde, sentiment, j'aurais voulu que tu partes te renseigner sur sa page, puisque les deux ont causé sur WhatsApp. J'ai appelé le monsieur qui a le numéro de Royo. Lui me dit, mais Royo est là-bas, mais ça le plaît. Parce qu'il a appelé, mais ça m'a de parler la même, je ne comprends pas. Je dis que, ah mon frère, il y a quel problème, comment c'est fait, que ils ont porté plein de Royo. Il me dit non que... Ce que je dis là, Roland, je n'ai pas dit non. Vous comprenez? Je n'ai pas dit non. Actuellement, où je suis là, je ne suis pas à l'heure du jugement. Je suis à l'heure de faire comprendre que Royo est dans des problèmes. Pourquoi est devant ma caméra? Mais c'est parce que la dame a porté plainte contre Royo. Mais c'est le silence des blogueurs qui me choque. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas le fait que la dame allait porter plainte qui est un problème. Mais c'est le silence des blogueurs. C'est le silence des blogueurs. Parce qu'il n'est même pas vu. À part chez c'est Fabien qui avait qui est su. Si Fabien n'avait pas posté, il ne savait pas. Parce que les gens se sont assis dessus. Personne ne parle de ça. Ça ne les intéresse pas. De toutes les façons, Royo ne peut rien les apporter. Donc, qu'elles soient en prison, qu'elles soient dehors, qu'elles soient au ciel, qu'elles soient sur la terre, eux, ça ne les en. C'est-à-dire que elles, ça les enchérit rien. En tant qu'elle fait vidéo comme tout le monde. C'est tout ça, il est vu là. Et puis, il est connu ma place. Parce que demain, quand tu seras dans le problème, il n'y a pas quelqu'un qui va te soutenir. C'est tout ça, il est vu. Et puis, il dit qu'il allait faire comédie sur TikTok, c'est mieux, les gens vont rire. Parce que le jour tu as ton problème, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Merci, mi belle, bonne arrivée, mon cœur. Le jour tu as ton problème, il ne faut pas dire que non. Et si c'est Facebook, il y a des gens qui ont sorti pour mettre. Personne ne va te soutenir, ma chérie. David, c'est ce qu'il te disait, dit que il y a des gens qu'on met en prison. Et puis il y a des gens on ne met pas en prison. Vous comprenez pas quoi? Il y a des gens là, on peut porter plainte contre eux. Mais par contre, il y a des gens là, on ne peut pas porter plainte contre eux. Vous comprenez? Parce qu'on sait que ton devant, ton derrière est grillé. On sait que toi, on peut te prendre, te jeter en prison. Pas quelqu'un vient demander pourquoi on t'a arrêté, pourquoi on t'a pas arrêté, pourquoi on t'a mis ici, pourquoi on t'a pas mis ici. Non. Parce qu'ils savent que ton devant, derrière, il n'y a personne. Sinon, on connaît des gens qui ont fait pire ici. Oh. Dans la paix du Seigneur, on connaît des gens qui ont fait pire ici. On connaît des gens qui ont fait pire qu'elle. Moi, mais j'appelle Nda Julien aussi. Je ne comprends pas. J'appelle Nda Julien. Je ne sais pas ce qui se passe. Je l'appelle. Vraiment, il faut bien lui demander pourquoi elle a laissé. Elle ne peut pas. Elle sait à qui elle va porter sa plainte. Elle peut porter plainte au Lopatia. Elle ne peut pas porter plainte au Lopatia. Elle n'a pas assumé qu'elle y ait voix claire.
Elle connaît son adversaire. Elle sait qu'elle est venue l'humilier devant les gens. Mais elle laisse ça. Et puis elle s'attaque à Royou. Elle laisse Olokpacha qui a fait soulever le sujet. C'est un béret. Vous avez fait une émission. Moi-même, souvent, je prends les émissions ici, mais je fais béret dessus. C'est normal. Du coup, quand il augmente, même, je mets plus magie dessus. Maintenant, pourquoi Royou, là, vous partez l'arrêter? Parce que du genre, elle s'est assise sur un dossier. Elle a parlé de ça. C'est Olokpacha qui a dit que tu sortais avec Arafat. Est-ce que, comme on appelle, Royou s'est levé comme ça pour parler? Non. C'est une émission que vous avez faite. Donc, c'est les informations que vous avez données dans l'émission. C'est si ça, elle a marché. C'est si ça, elle fonctionne. Elle est venue faire son loup béret pour animer sa page. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas bien. Ne regardez pas les gens qui n'ont pas de relation pour les arrêter pour un oui, pour un non. Ce que Royou a fait, elle n'est pas la première ni la dernière à le faire. Nous tous, tout le monde fait ça sur Internet ici. C'est pas bien. Faut arrêter. Les autorités de Côte d'Ivoire. Donc vous, quand il y a petit, quelqu'un a petite relation nette, on vient vous glisser un billet de 10 000. En même temps, vous partez prendre la personne, vous l'arrêtez. Pourquoi? Où est le problème pour lequel on arrête Royou? Où est la volée? Elle est meurtrière. Vous l'arrêtez pourquoi au juste? Pour quelqu'un qui est une star, qui a fait une émission, ils ont donné une information, elle a relayé l'information. Pour ça, on l'arrête. Normalement, pour moi, vous devez la convoquer et lui donner un avertissement. Quand tu te donnes un avertissement que tu n'as pas respecté, les autorités t'ont donné un avertissement. Maintenant, tu vas, maintenant, tu dis, ah, on t'a donné l'avertissement, mais tu ne nous as pas écouté, tu es quand même allé faire des lives sur elle. Là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre que vous avez des. Mais vous prenez enfant des gens parce que l'autre, elle a les moyens, parce que l'autre, elle est journaliste, parce que l'autre, elle a connaissance. Non, mais il faut arrêter. Non, mais il faut arrêter. Chola, il faut aller arrêter Olokpacha. Oui. Il faut aller arrêter Olokpacha. C'est Olokpacha qui a dit devant tout le monde que tu étais la copine d'Arafat. Ce n'est pas Royou qui a dit. C'est Olokpacha qui a dit. C'est Olokpacha qui a dit. Donc si tu dois porter plainte contre quelqu'un, ça doit commencer d'abord par Olokpacha. Tu comprends? Si tu dois porter plainte là, ça doit commencer par Olokpacha. Et c'est méchant. Et c'est égoïste de votre part. Parce que vous savez très bien que la personne à qui tu dois porter plainte là, tu connais la personne. Tu connais la personne. Tu connais la personne à qui tu dois porter plainte. C'est pas Royou. C'est pas elle. Tu sais. Tu sais à qui tu dois porter plainte. Ce n'est pas Royou. Ce n'est pas elle. Tu connais la personne qui t'a mis, qui t'a collé cette étiquette. Mais tu viens faire semblant. Et tu t'as arrêté Royou. Parce que c'est elle tu moins. Parce que c'est elle qui n'a pas relation. Parce que c'est elle là. Son papa même se cherche. Parce que c'est elle là. C'est pas facile pour elle. Et c'est elle tu moins. C'est elle tu vas arrêter. Et c'est elle tu vas arrêter. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Il dit que vous êtes mauvais aujourd'hui. Vous êtes mauvais demain. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes mauvais. D'accord? Vous êtes très mauvais. Pourquoi tu n'as pas porté plainte au Olokpacha? Et je vois des gens aujourd'hui. Vous êtes assis. Vous savez que la fille est enfermée. Vous savez que la fille est enfermée en tant que des blogueurs, en tant que des dévanciers d'Internet. Et vous n'en parlez pas. Vous êtes assis dessus. Parce que vous, où il n'y a pas vos intérêts, ça ne vous fait ni chaud, ni froid.
C'est ça le truc. Où il n'y a pas vos intérêts. Quand vous voyez qu'il n'y a pas vos intérêts quelque part, ça ne vous dit rien. C'est pourquoi moi, sentinelle, hein, j'ai vu venir de loin, j'ai pris mon couet tout là, je me suis assise. Je préfère être bête sur TikTok. Hein? Je préfère aller faire la dictée sur TikTok. Je ne veux pas que demain, quelqu'un me porte plainte. Et puis, il est resté kabako. Et puis, il m'assoit, on dirait m'assoit glisio. On dirait quelqu'un qui est perdu dans la forêt. Parce que moi, où je suis, mon papa se cherche. Maman même, je ne sais même plus où son corps est situé. Ma famille même, on n'a pas cuisinier chez nous. Pour dire qu'on va avoir un grand type. Hein, cuisinier, mais on n'a pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se cherche. À un moment donné, il faut arrêter. Chola, va porter plainte contre l'Opacha. C'est là où il voit que tu es gangaba, il voit que tu es femme. Faut laisser Royo tranquille. Va porter plainte contre l'Opacha. Quand tu as porté plainte contre l'Opacha, là maintenant, moi, il a dit que ouais, ma chérie, tu as imposé le respect. Mais les résidus qui viennent parler de ça, c'est eux toi qui prennent porter plainte contre eux. C'est elle, tu moins. L'Opacha, mais qui t'a chargé en pleine émission, là, tu l'as déposé. C'est Royo où tu moins. Vraiment, famille. Chola, faut libérer Royo. La personne qui t'a insulté, la Solopacha. Faut aller porter plainte contre l'Opacha. C'est tout ce que moi, je te demande. Va porter plainte contre l'Opacha. Sinon, tu vas arrêter toute la Côte d'Ivoire. Hein? Tu vas arrêter toute la Côte d'Ivoire entière. Toute la Côte d'Ivoire complète. Parce que si tu as décidé de devenir animatrice, là, faut savoir que les gens vont critiquer, vont rentrer dans ta vie privée. C'est que si tu étais écala, c'est que toi, vraiment, la maca même, il n'allait plus avoir place. C'est-à-dire que, tellement tu allais enfermer les gens finalement, qu'ils n'allaient plus avoir place à la maca, on a essayé de les envoyer sur les rives des Caïmans pour aller les enfermer là-bas. Parce que quand tu es personnage public, là, les gens souvent sauf que rentrer dans ta vie. Il faut être préparé psychologiquement avant de devenir animatrice ou avant de devenir personnage public. Parce que tu vas encaisser beaucoup de choses. Tu vas entendre beaucoup de choses que toi-même tu n'étais pas au courant, que toi-même tu as fait, mais on dit tu as fait. Donc quand tu décides de devenir personnel public, là, il faut te travailler psychologiquement. Il faut être prêt à entendre tout. Il faut être prêt à encaisser tout. Ce n'est pas pour un truc que l'Opacha a dit, elle est venue parler, que toi tu as parti porter plainte. C'est méchant de ta part. Chola, c'est très méchant de ta part. Tu es une femme. Tu es une femme. Une femme, tu dois avoir des limites. Tu ne peux pas passer ta vie enfermée tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas gentil de ta part, ma chérie. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu pourrais l'effrayer, tu pourrais te plaindre, elle s'en va. On lui dit, tu veux plus, on ne veut plus entendre son nom sur sa page. Elle signe. Et puis vous vous libérez dans la paix du Seigneur. Chacun prend son chemin. Mais depuis hier, elle est là-bas. Et c'est aujourd'hui, moi, il a pensé. Maintenant, il a appris. Il est mauvais sur TikTok là-bas. Rita d'apaiser quoi? Tu veux que j'apaise quoi? Que je dise quoi? Chola, pardon. Faut laisser. Hein? Mais c'est l'Opacha qui a dit. Aïe. Mais parce que c'est Royo ou quoi? On a vu des blogueurs qui ont fait piquer Royo ouais. Même président, mais ils n'ont pas raté. Hein? Ils sont là en Côte d'Ivoire, les affaires quoi? Non, mais attends, mais sérieux là. Bref, vous êtes sérieux. Hein? Non, mais attends. Le pape, comment tu vas? Ils ont arrêté Royo ouais. Hein? Elle n'est qu'à s'énerver, elle n'est qu'à l'arrêter l'Opacha. C'est lui qui a dit qu'elle soit avec Arafat. Ou bien toi, tu vas subir l'émission, Rita. Tu n'as pas suivi? Tu n'étais pas à l'heure ce jour-là. C'est Odette qui t'a tagué ici. Ils ont arrêté Royo. Elle était arrêtée par Chola. Par rapport à son émission où Olopacha dit qu'elle soit avec Arafat là. Qu'est-ce que c'était la copine d'Arafat? Royo est venu parler de ça. Elle dit faut pas Royo va parler de ça. Royo a parlé de ça. Elle a porté plainte. Depuis hier, Royo est enfermé. Moi, mais c'est tout à l'heure là. Il vient d'apprendre ça. Il n'y a pas longtemps même. Olopacha qui a dit là, vous le laissez. Hein? Et
C'est depuis hier était arrêté le pape. C'est depuis hier était arrêté. Tu connais Chola, non? Celle qui fait l'émission de c'est comment on appelle l'émission là, mais Fafa là. Il y a il y a Olokpacha qui était invité dans l'émission avec Arnaud Jaguar. Donc il y a eu un discours sur le plateau. Maintenant Olokpacha a dit à chose comment on appelle à Arnaud Jaguar sur le plateau que Chola là, l'animatrice, la fille noire là, que c'est la copine, que c'était la, que c'était la copine d'Arafat. Donc Royou a fait son béret. Elle est venue parler de ça. Elle est venue parler de ça. La dame lui a dit, il ne faut plus parler de ça. Donc Royou a insisté. Parce qu'elle dit que ah, elle est sur la toile. Donc elle va en parler. Donc c'est comme ça. La dame lui a dit, il ne faut pas parler de ça. Donc elle a parlé de ça. Elle a parlé de ça. C'est dans ça hier. Royou a été convoqué. On dit à Yopougon. Au quoi de Yopougon. Qu'elle est partie, ils l'ont arrêtée. Donc depuis hier, elle est là-bas. Voilà à faire là, le père. Moi, je suis les yeux dépassés. Et comme je vois que les blogueurs ne sont pas au courant, personne n'en parle de ça. Personne ne. C'est mort au fait. Donc moi, j'ai décidé d'en parler de ça. Et puis il y a Odette qui a décidé de taguer quelques blogueurs au fait. Pour qu'ils puissent prendre connaissance de ce qui se passe. Donc voilà, Oyo a été arrêté. Actuellement, elle est. Si c'est à Yopougon, Bélé, Kouawa, elle est où? Mais je sais qu'elle est en boîte, elle n'est pas libre actuellement. Voilà, Chola a dit qu'elle a dit son nom. Voilà pourquoi elle a porté plainte. Olokpacha qui a parlé, elle a laissé, elle n'a pas porté plainte. Hein. Celle qui est venue relayer là, c'est elle là, elle a porté plainte. Parce que quand tu n'as pas relation, tu n'as pas droit à la parole. Quand tu n'as pas relation, tu ne peux pas t'exprimer. Quand tu n'as pas contact, tu ne peux pas. Merci pour l'information, ma soeur. Ah, Francky, la légende, tu n'étais pas aussi au courant. Ah, voilà ça. Hein. Donc, actuellement, elle est à Yopougon. Et comme moi, je ne regarde pas. Ben, maintenant, si Internet, tu sais, les gens regardent ton nombre de ton viens me blesser. Ta visibilité pour parler dans ton affaire. Donc, la fille, même, elle emboîte. Et puis, on est dehors, on n'est pas au courant. Personne ne relève ça sur les pages. Parce que pour vous, elle n'est pas star. Parce que pour vous, elle n'est pas star. Donc les grandes personnes qui se disent que les stars interplanétaires, vous ne parlez pas. Vous tuez le discours. Vous dormez sur le discours. Ce qui arrive à Royo, ça nous arrive nous tous. Moi, mec, je suis là même là. Peut-être le jour même qu'il y a arrivé, même, il n'y a pas ma soie, ils vont me saouler, moi ou ma chaise, ou, ils vont nous jeter là-bas. Donc voilà le problème qui s'oppose, famille. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui mettent les cœurs. Ils m'ont aussi le droit de dire FL aussi. Voilà ça. Faut pas vous aller rire. C'est vrai. Au moins, il n'y a pas ma soeur. Moi, au chaise. Papa Toya, au guerrier. Nous vont saouler mon corps. Jeter le monde dans le cargo. Vous, même votre émission, vous, pour rentrer dans la vie privée des gens, vous posez des questions jusqu'à vous dépasser les limites. Mais pourquoi pour vous, ces émissions, c'est normal? Non, mais il faut arrêter. C'est méchant. Mon cœur me brûle comme ça, on dirait y a qui sautait du 20e pont. Tellement je suis en colère. On vient de m'envoyer un numéro, je vais contacter pour voir ce qui se passe. Et puis je vais essayer de vous revenir. Je vais essayer de vous revenir, famille. Voilà, je vais contacter le numéro. Je vais voir les informations qu'on me donne, ce qu'ils vont me dire. Et puis je vais relancer un live. Je vais aller parler de ça. Non, ne riez pas. Excusez, il y a des remontées là. Ça fait pas rire. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, pays qu'on est dedans aujourd'hui là, tu dois avoir relation avec t'exprimer. Elle ne peut pas animer une émission comme papa et mettre une blogueuse en prison. Jamais de la vie, son maudit. La fille en prison depuis hier le pape. Ça fait pitié quand même. Royo a arrêté depuis hier. Moi, c'est tout ce que tu viens d'apprendre à lancer vidéo, caméra, même, live. Il y a qui te dit, mais elle fait ça sur Facebook encore. Un Fafa, là, eux, ils parlent des gens. Eux, ils parlent des gens. Ils parlent de la vie des gens, c'est Fafa. C'est Olokpacha qui a dit que tu sois avec Arafat. Pourquoi tu ne portes pas plein de Olokpacha? Donc, vous ciblez les personnes. Vous ciblez les gens pour porter plainte.
Vous ciblez les gens pour porter plainte. Eh, le monde part en couille. Quel bon animateur vous êtes même. Non, montrez-nous vos diplômes d'animation. Montrez-nous vos diplômes d'animation. Montrez-nous, on veut voir vos diplômes d'animation. On veut voir vos diplômes d'animation. C'est quoi? Olokpa, tu as dit que tu sois avec Arafat, tu as laissé. Hein? Tu as laissé Olokpa, tu as allé dire devant tout le monde que tu sortais avec Arafat. Lui, tu l'as laissé. Tu as laissé, il a dit que tu as laissé à Pat là. Tu as laissé Olokpacha comme ça. Olokpacha là, tu l'as laissé. C'est Royo là. Tu as chargé. On dit quoi, chien? Jouer. La maman n'a pas. N'est pas. Pardon, Ouma, faut pas te blesser aussi d'écriture. Moi, mais c'est pas lié en bas. Si toi, tu écris comme ça, on fait comment pour s'aider? Toi aussi. Moi, mais je ne suis pas là à l'école. Je ne sais pas lire. Maintenant, toi, maintenant, tu vas venir tout gâter maintenant dans les écritures. C'est que Kamel, ça va aller porter plainte. Kamel Sama va aller porter plainte. Nous tous on fait guerre. Moi, monsieur TikTok est fini, m'a choisi la vie des gens. C'est que moi, ma plainte là, c'est beaucoup, hein. Moi, mais il y a 180 000 plaintes. Les boss d'Adi, c'est vous, elle peut arrêter. Ceux-mêmes qui ont parlé là, c'est Olokpacha. Ou bien lui, il est anti-plainte. Ou bien comme lui, c'est ton lesbo, quoi. Lui, il est anti-plainte. Olokpacha là, il est anti-plainte. Hey, Tayo, c'est bien fait pour qui? Faut bien écrire vite fait. C'est bien fait pour qui? On va que tu bloques. C'est bien fait pour qui? N'importe quoi. C'est pas vous. C'est Côte d'Ivoire là qui est désordonné. Les gens qui ont les diplômes de journalistes, ils travaillent pas. Les gens qui ont les diplômes de journalistes, là, ils ne travaillent pas. C'est vous, on vous ramasse dans les quartiers. Là. Quand vous devez commencer à attraper le micro une fois, deux fois, vous êtes guindé. Vous êtes gonflé. Merci beaucoup, Dabi. D'accord? Vous êtes guindé. Vous êtes. Alors que vous êtes gonflé. Ça va vous passer. Ça vous passe, continuez. Arrêtez tout le peuple. T'as compris chose là? Faut arrêter toute la Côte d'Ivoire complète. Tu comprends? Arrête toute la Côte d'Ivoire complète, sans exception, hein? Sans exception, faut arrêter tout le monde. C'est en Côte d'Ivoire, il voit lui-même. Elle dit que lui-même qui parle là. Lui-même qui a parlé, tu l'as laissé. C'est que maman Tina va aller porter plainte pour la danseuse qui dit que l'enfant ressemble à Olokpacha. Maman Tina aussi va aller porter plainte. Quand vous avez une, deux, trois relations, on ne peut plus respirer. Quand vous connaissez deux, trois personnalités, on ne peut plus chier. Tu parles un peu, mais porter plainte. Tu cries, mais porter plainte. Tu vomis, mais porter plainte. Tu lâches, mais porter plainte. Tu pètes, mais porter plainte. Parce que vous avez deux, trois relations. On ne peut plus chier. Il m'a porté plainte. Et allez porter plainte. Et il m'a porté plainte. Porter plainte. Passez votre temps à porter les plaintes. Vous n'avez pas votre bouche pour vous défendre. Hein?
N'ouvre pas bouche. Toi, tu assises sur ton plateau là, tu t'assois sur la vie de tous les stars qui passent. Qui allait porter plainte contre toi? Même pour toi, c'est ton travail, quoi. C'est ton boulot. Elle aussi, Facebook, c'est son boulot. Elle est dans le béret. Oui, elle décortique. Elle décortique les problèmes, que les émissions que les gens ont ratées. Hein? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Donc, famille, c'est le petit message que je voulais vous véhiculer. Il a dit qu'il y a une étoile, ils ont envoyé, c'est pourquoi. S'il y a des abonnés qui ne sont même pas capables de payer les étoiles, alors pourquoi est-ce que... Non, parlons peu, parlons vrai. Pourquoi est-ce que, je veux savoir, s'ils ont donné étoiles, vous n'êtes même pas capable de payer 2 étoiles, 3 étoiles pour me donner. Donc pourquoi Facebook a ouvert les étoiles si ce n'est pas que vous me donnez? Si vous ne pouvez pas me donner des étoiles, j'ai dit que je vais faire trop d'abonnés. Je vais changer mes abonnés. Parce qu'il y a des abonnés même que j'ai là, vraiment, j'en suis dépassé. Même pas d'étoiles. Il fait live jusqu'en 40 minutes, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, tiens une étoile, senti, yeah! Vous êtes à Vade. On peut avoir des abonnés à va. Non, merde. Les abonnés siens. Des abonnés à baba. Faites sortir vos cartes de crédit. Et Anne, 50 étoiles, ça ne vaut même pas 1 euro. Mais vous ne pouvez pas payer ça. Ça ne fait même pas 1 euro. Je dis bien, ça ne fait pas 1 euro. Même pas 1 euro. Vous ne pouvez même pas payer. Oh, mamma mia. Tu ris, Anne. Faut pas rire. Même 1 euro, vous ne pouvez pas payer. Cadeau 1 euro. Où? Y a vous troqué? Y a vous troqué? Y a pas des abonnés capables? Des abonnés quand je les vois comme ça, mon cœur fait moins. Ouais, mes doudous, je vous embête un peu. Bisous à vous, je vous laisse. Je vais sur TikTok. C'est TikTok qui est bon, allez là. Facebook, il y a trop de sorciers. Vous voyez, chaud là qui arrête les gens maintenant. Quoi? Je vous aime.